Et bonjour à tous, c'est Mankat von Brelan. J'étais en train de me retaper le niveau en faisant des câlins au mur pour trouver le passage secret qui mènerait au ressort, et j'ai trouvé ça. Pour ça, dégâts médiques légers. Selon à quel point c'est trop la classe, vous avez une chance sur deux d'afficher des dégâts une seconde fois et de renforcer toutes les mesures sur la barre ennemie. Ah! Cependant, ce n'est pas un ressort. Et là, c'est qu'il y a des distributeurs de machin. Bon, bah j'ai aucune idée d'où pourrait être ce putain de ressort. Si ça se trouve, il est plus loin. Donc on va avancer. Pourquoi tu l'as sorti du frigo? Parce que je pensais que c'était là par erreur. Pourquoi tu mettrais de l'équipement au frigo? En plus, j'ai besoin de faire de la place pour, tu sais, la bouffe. Oui, eh bien, je suis en train de faire des essais, ok? Alors, laisse-le dans le frigo. Ne l'en sors pas. Oh, bonjour! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que... Comment vous êtes sorti? Ah, ils étaient pas censés? Bien sûr que non, ils étaient pas censés s'échapper. C'est quoi ton problème? Mais ils ont dit... Oui, eh bien, ils ont menti. Ah, j'arrive pas à croire que vous m'avez menti. Je croyais qu'on avait un lien tacite. Oh, la ferme, vous pouvez pas nous en vouloir? Vous avez essayé de nous buter. Au moins, je ne bute pas la vérité. Eh bah, calme-toi, grosse tête. Eh bien, voilà où est parti ton plan à deux sous pour les tuer, hein, Rona? J'espérais que ça arriverait. Ça aurait été dommage de ne pas pouvoir les combattre normalement. Ça valait pas le coup. Allons, c'est pour le mieux. Une fois qu'on aura raclé la tronche, on va pouvoir se débarrasser de ce pessimisme qui te caractérise. J'imagine que ça veut dire qu'il va falloir qu'on sorte les surprises à l'avance. Ah, mais bien sûr, c'est le meilleur. Que... Des surprises? Nous ne sommes pas comme vos autres petits joueurs qui choisissent de prendre ou de reposer leur instrument comme ça les arrange. Les vrais musiciens ne font qu'un avec leur instrument de choix. Quelle horreur! J'avais vraiment pas besoin de voir ça. Je sais pas quand vous êtes échappé de la boum boum. Oh, madère. Mais vous ne sortirez pas d'ici. Oui, ça j'avais compris. Wow! Leurs corps entiers sont des armes musicales. C'est un sacré avantage. Alors les branques sont des cyberbranques. Comme si ça changeait quoi que ce soit. Ouais,
Vous pouvez vous la péter avec vos super améliorations là. Nous, on va aller au concert d'Apocalypse et c'est tout. Oui. Continuez à faire des grandes phrases. Ça ne fera que votre défaite plus gratifiante. Oh, ça va être si drôle. Doute. J'ai le droit. Non, ça marche pas du tout. Je remarque que c'est pas un combat de groupe d'ailleurs. Ils tabassent tous les trois en même temps. C'est pas juste. Je vous casse la gueule. Et merde. On réessaye. Ouais, c'est mieux comme ça. Ah non, je brûle. Mais quel monde. Ah, on va devoir redouter d'autres, c'est chiant. Aïe. Aïe. Hop là, un petit peu de soin en continu. Et méga pop slap sur Micheline, parce qu'elle a la clé qui verrouille cette mesure de douleur qui m'emmerde. Aïe. Méga pop slap dans ta tronche. Blablabla. Ouh. Il est marrant lui, je l'aime bien. Je l'aime plus. Non, j'ai pas fait gaffe. Je voulais changer. Pas grave, on a de la merch. The Almighty. On ramène Faye. On lui demande de nous soigner. C'est pas grand chose, mais ça fait plaisir. On continue les méga pop slap sur la gorluche. Allez! Allez, Yann! Soigne! Vas-y, proc! Bouclier sismique. Ah! Bon bah. Que te le dit en avant? Prêt. Bouclier, rien du tout! Là! Ça y est, il est vaincu! À nous faire deux. Nous sommes faire un doigt auparavant. Bon allez, toi ensuite, là, tu fais trop mal, dégage. Il est vaincu. Brin. Allez, donne-nous du baril, Yann. Le soin. Il veut pas, hein. Le soin, j'ai dit. Il veut pas, hein. Wow! Hey! Pandémonium. Ah! Ah! Mama! C'est ta faute, Yann, c'est ta faute! On a gagné. J'entends le louche des grenasses qui vous appelle. Bah. Je pourrais faire un autre round. Si vous voulez sortir,
Vous êtes voir nous tuer d'abord. On n'a rien à perdre à ce point-là. Si vous échappez, on finira par mourir quoi qu'il arrive. Ah, mais pour la dernière fois, si on bat Apocalypse et qu'on annule le tournoi, personne ne va mourir. Qui est là? Une petite minute, ce battage là. Ah oui, quel timing impeccable. C'est l'avantage dont nous avions besoin. Oh non, ils ont du renfort. Oh non, on était si proche. C'est les Dead Bulge, mais vous n'allez jamais sortir d'ici. Yo. Vite! Tant qu'ils sont affaiblis, utilise le tout puissant pouvoir de la Coulthard qu'on t'a fait. À ce propos. Je suis ici pour vous offrir l'honneur de me faire une toute nouvelle Coulthard. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé à celle qu'on t'a fait? Eh bien, il avait cette... cette vente de charité. Il m'a dit que la Coulthard vaudrait une fortune à cause de tout le prestige qu'elle a du fait que je l'utilisais. Alors, ouais, je l'ai vendu, tu sais, c'est pour les enfants, tout ça, contribuer à la communauté. Mon cul! Il s'est bourré la gueule et il l'a pété en faisant un. En piquant une crise! Quoi? Mais. Quel idiot! Attends un peu, qu'est-ce qui est arrivé à l'autre qu'on t'a fait? Waouh! Hors de question! Eh ben, dommage, parce qu'on n'a pas de temps pour tes petites commandes, là, de toute façon. Les Belges. Vous pensez vraiment pouvoir vous tabasser Apocalypse? Bien sûr! Tout ce qu'on a fait, c'était en partant du principe que Apocalypse était invincible. Si c'est vraiment possible, si vous pouvez battre Apocalypse, eh bien, vous ferez mieux de vous dépêcher. Ils sont probablement déjà en train de jouer. Quoi? Renard, qu'est-ce qui te prend? On n'en a pas fini avec eux. Ah, mais regarde les choses en face, Triss. Ils nous ont laté la gueule. On devrait probablement leur rendre le mot de pod aussi. Ils auront besoin de toute l'aide qu'ils peuvent recevoir. Oui, bien sûr. On va se laisser faire et on va leur donner l'appareil qu'ils nous ont volé. Quelle idée brillante. Ça leur apprendra. Rona, c'est quoi ton problème? Triss, ferme ta gueule. Bien, très bien. Ça a intérêt à valoir le coup, Rona. Surtout en considérant le fait qu'on s'est fait chier à améliorer le mode pod aussi. Ah oui, j'imagine que c'est un bon petit bonus pour eux, hein? Un bonus! Pendant que vous étiez tous inconscients, on a trafiqué un peu le mode pod pour le rendre un peu plus utile. Vous devriez jeter un œil quand vous aurez l'occasion. Oh, c'est cool! Oui, je vous en prie. Eh, c'est cool, etc., mais ne vous imaginez pas une seule seconde que ça compense pour tout ce que vous avez fait. Vous avez encore un sacré bout de chemin à faire. Oui, allez, barrez-vous. Et bonne chance.
Alors, Ted Page vous a battu aussi, hein? Désolé, yo, mais si vous voulez une revanche, eh ben, faudra faire la queue. Eh, attendez un peu, vous. J'en suis plus en train de t'en dehors. On avait raison. Le concert a déjà commencé. D'accord, mais il est mon ressort. Alors vous allez combattre l'Apocalypse, hein? Vous pourrez même pas passer le videur sans ticket. Ne vous inquiétez pas. Venez me voir à l'entrée de Helblivion. Je peux nous faire rentrer. C'est cool de voir que t'as des cuvées, mais pourquoi tu nous aides tout à coup? Eh, si vous voulez botter le cul de Apocalypse en direct sur scène devant tout le monde, et ben en comparaison, le fait que j'ai perdu face à vous, c'est pas si horrible. Il faut que ça arrive. On se voit à l'entrée. Les voix partent en couille de jour en jour. Hey, je vais sortir de l'entrée du fond. Vous avez vu les proprios? C'est eux qui ont créé ces foutus casques. Alors, ils doivent savoir comment les décrocher de ma tête. Depuis que je suis descendu du bus, j'attends ici pour ça pendant tout le temps. Inquiète-tu au moment où je sortirai pour... regarder un peu le paysage et que tout à coup ils apparaîtraient et que je la rate. Je sais pas combien de temps je peux encore attendre. Je deviendrai fou. Ouais, ils seront là d'un instant à l'autre. Il faut qu'ils en finissent de sortir de cette défaite humiliante. Ah, cool de savoir qu'ils sont dans le coin, merci. Demande où Irina. On était censé se retrouver ici et changer les playlists. J'espère qu'elle n'a pas commencé à perdre l'intérêt. Rina? Elle était juste au pub. Elle est cool. Elle m'a montré comment faire de l'échantillonnage. Alors, elle a trouvé quelqu'un d'autre. Mais, je pensais qu'on avait un truc ensemble. Non, pas comme ça. Qu'est-ce que t'as que je n'ai pas? C'est le coup, hein. Toi et elle, vous avez des coups de taille similaire. C'est tellement logique. Est-ce que vous battiez là derrière? Ils sont pas morts, hein? Enfin, Eh ben, ils devraient remercier leur bonne étoile d'être encore en vie. J'étais à ça! De leur lâcher un coup de grâce dévastateur. Ah, ok, d'accord. Ouh, je commence à m'inquiéter. J'ai pas encore été payé, donc si quelque chose arrive, ce serait chiant. Robin. Robin des balaises. Dégâts lourds à un seul adversaire. Juste ça, juste dégâts lourds à un seul adversaire. Genre c'est mieux que le méga pop slap? Ah oui? Dégâts modérés à un seul adversaire. Hype 35. Et ça, hype 100. Ah ouais. Ah, c'est pour ça que ça coûte que 35, parce que c'est une attaque signature, un cadeau d'un coup réduit. Ah, et du coup, on nous a full life.
On nous a pas full stock, on nous a full life. Et ben alors, on fait des bisous au sol? Et ben peut-être bien. L'un des nombreux avantages de ne pas être un abruti sans lèvres comme toi. Qu'est-ce que vous foutez? Allez combattre Apocalypse! Pourquoi vous n'êtes pas allé vous réfugier au lounge des Lucronazes? Dois-je vous rappeler votre défaite? Vous êtes sérieusement revenu juste pour nous insulter? C'est ce que Babi aurait voulu! Hein? Être revenu? Est-ce que c'est parce que j'ai dit que je pouvais remettre ça? J'espère pas, parce que je regrette un peu d'avoir dit. Je peux pas, en vrai, pas du tout. Alors, le frigo de Mutila, généreusement recouvert de... d'aimants. Super idée, mangeons un morceau. En fait, je me demandais juste ce que c'était cet équipement que Trista a mis dans le frigo. Oh wow. Vous avez déjà pris le mode pod, autant prendre le reste, hein? Et si c'est les aides contre Apocalypse, moi je suis pour. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ça de toute façon? Tu joues même pas la guitare. D'accord, mais mon ressort. Le ressort, il doit bien être quelque part dans la baraque, non? Oh, c'est quoi ce gros truc attaché à côté? C'est peut-être le fameux truc dont parlait Mutila? En effet! À travers moi, Mutila semble avoir trouvé un moyen de mesurer la production de glam d'un groupe. Leur savoir-faire technique est très impressionnant. Mesure de glam. La merch qui permet de mesurer le glam que j'ai accumulé. Hein? Vous pouvez maintenant suivre le glam produit par le groupe qui était une ressource jusqu'alors cachée. T'es généré leur combat en utilisant des mods. Ah, et c'est en accumulant 100 de glam qu'on peut faire une performance. Et on peut également voir la quantité de glam qui est générée par les combats de mods quand on regarde la description. Hein? Oui, les performances sont super balèzes, donc effectivement c'est plutôt pratique de savoir quand est-ce que je peux en balancer une. Attends, je clique sur ce glas. Permet de soigner le groupe depuis le menu de merch à un coût réduit. J'ai jamais fait gaffe. Point de classe, jauge de glam. Truc pointu. Les cartes clés du bus. Ah oui, les tickets, hein. Bah, ST parti x 1. Ah, c'est un objet que je peux utiliser. Ok. J'ai pas compris. Où est ce putain de ressort?
c'est là qu'on a eu la grosse botte. Non ! Je voulais pas. Tant pis, on va devoir casser les gueules, Astérix Obélix. Wow, 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 wow. Ça le tue même pas. Ça fait 200, ça lui fait 267. Et ça lui fait 409. Ah ouais. Ça fait pratiquement le double quand même. C'est plutôt sympathique. Ah si oui, c'est vrai qu'on était proche dans le level up. Donc là c'est là qu'on a récupéré un mode. Et merdeux. Ah oui, c'est vrai qu'il fait ça, je suis un peu con. Il fait ça à chaque fois. Méga Pop Slap sur Jean Gérard. Spécial de Robin des Balaises. Robin des Muscles. Sur machin. Voilà. C'est réglé. 0 points d'XP. Carnac. Pourquoi ça m'a rapporté 0 points d'XP? On est quand même pas au niveau max. Attends, ce qu'on voit là, c'est la... Oui, voilà, la salle secrète. Wow. Est-ce que j'ai envie de tabasser ce truc? Dit-il en lui rentrant dedans. On va doute pour voir. Ah, ah. C'est pas quand il fait ça. Roi des balaises, bah toi je vais te casser la gueule parce que je sais que tu fais mal. Petit méga pop slap. Oh. Ok. Ça rapporte pas d'XP. Ils sont trop bas niveau. C'est pour empêcher le farm. C'est peut-être pour empêcher le farm. D'accord, donc les ennemis ici ne rapportent même plus d'XP. Ça me donne littéralement rien du tout. De les déclinguer. Oh, 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 oh. Tu t'es calme. Pas une très grande portée, ça. Où est ce putain de ressort? Parce que donc là, c'est là qu'il y a DAC. Il ne sera quand même pas dans cette salle. Oui, oui. Ah! Peu technique. Dégâts, une mesure de bombe. Oh.
Quoi cette histoire de bombe? Je me suis trompé, c'est pas... Ah non, c'est pour Yann. Bombe. Dégâts explosifs. Au combat actif quand le décompte atteint 0. Oh. On en revient. C'est la salle d'avant. Je fais des canons au mur, hein, vu qu'apparemment c'est comme ça qu'on trouve le passage secret. Où est-ce putain d'en sort? Dehors de cette zone? Je me souviens d'avoir vu un ressort. Bon, je crois que j'ai juste continué l'aventure et puis peut-être qu'on ira chercher en ligne ou... Il n'y a rien, hein? Alors, promis. Promis, juré, il n'y a rien d'autre. Et merde! Oh. Oh. Combat chiant. Combat bien chiant. Ah, au secours. Ils veulent même pas nous rapporter d'XP, hein. C'est-à-dire que c'est chiant pour rien. À la fin du combat, elle revient avec un PV. Ok.
Alors. Et puis, il n'y a pas de passage secret, hein. Ça va? Désolé, on est vraiment parti du mauvais pied. Reprends depuis le début, moi c'est Brief. Comment t'appelles? Qu'est-ce que vous en avez à foutre? Bon, bah apparemment, il s'appelle Qu'est-ce que vous en avez à foutre. Oui. Eh, hey, salut, vous avez pas vu un ressort dans le coin? Hey, c'est les héros! Encore merci de m'avoir ramené ma boombox. Content d'avoir aidé. Ah, ça fait tellement plaisir de l'avoir de retour. Je peux enfin me sortir moi-même. Qu'est-ce que tu fais, Roro? Oh, bah... je vole, ça et là. J'admire le paysage, ce genre de choses. Mais je me repose un peu, là. Je dois admettre... je commençais à vraiment pas aller bien après le petit incident avec la boombox. Mais quand vous êtes arrivé, oh, vous n'avez aucune idée de l'impact que ça a fait. Eh bien. Content de voir que le concert d'Apocalypse n'a pas volé tous mes clients, hein. Qu'est-ce que je peux vous servir? Qu'est-ce que t'as? Comment ça, qu'est-ce que j'ai? Vous avez pas vu le menu? Il est juste là, faut pas les faire marre. Alors, un menu qui liste tous les trucs qu'il y a. Ouais. La corne bleue, le spécial de la maison, est distillé profondément dans la montagne de Hoho. Imbué de diverses épices démoniaques qui lui donnent ce piquant caractéristique. La liqueur de pomme kuda. Créé par Bassmouth breuvage Bassmouth, qui est une option populaire pour ceux qui aiment les trucs sucrés. La réserve de la famille Chuck Ridge est distillée et vieillie dans la ferme personnelle de Chuck Ridge Cattle Brander. Très rare et très dur à trouver. Masterport est un vin spécial de porc qui est mélangé avec l'essence de l'essence de Mastropod. Absinthe est la plus forte boisson qu'on sert ici. Seulement pour les gens très balèzes. Il y en a d'autres, mais c'est juste ceux-là qui... la réserve de la famille Chuck Ridge. Ah, un classique. Ce truc est super dur à trouver, mais croyez-moi, ça vaut le prix. Je mets sur votre ardoise. C'est moi ou tout est orange? What? Un peu de corne bleue? Notre spécial, très bon choix. Je vais bien ce truc ici même, oh oh. Ne me demande pas pour les épices, par contre, ça c'est secret fabrication. Ouais, d'accord. Ok, la liqueur de pomme kuda. Vous aimez quand c'est sucré, hein? Je sais qu'il y a pomme dans le nom, mais... allez pas vous imaginer que ça compte pour vos 5 fruits et légumes par jour.
Master Ball. Ah, ça c'est un vin que j'aime bien. Dommage que ce truc soit en rupture de stock en permanence après ce qui est arrivé au Mastropode. Profitez-en tant que vous pouvez. Peu d'absinthe. Oh, alors on a des vraies balades ici. Est-ce que ce truc est vieilli dans des tonneaux de bois du thon? Mais j'y crois pas une seule seconde. D'accord, ça joue, je fais colère. Bon, je peux avoir les... Alors c'est transporté. Voilà un peu de... Un peu d'eau. Qui vient directement de la neige locale. Oh. Ouais, couleur normale, s'il vous plaît. Merci. J'ai changé d'avis. Ah, excellent choix. Un verre de j'ai changé d'avis. Attendez un peu. Un verre de j'ai changé d'avis, d'accord. Ouais. Ah, on peut retourner à Bobstead. Ouais, j'imagine que je pourrais. Après tout, vous avez bien tenu votre promesse de... d'exorciser le bus. Allez, Nick, je le fais gratos. On part. Ah. D'accord, c'est un gros temps de chargement. Bobstead, wouh! Ouais, le bus il est hanté par les âmes de musiciens. Hein? Ouais, non, c'est des conneries, comme tous les autres trucs que vous avez pu entendre à propos de nous. Hein? On n'a rien entendu? Ah, bah cool, parfait. On pourrait retourner voir Foggy. On pourrait retourner essayer de péter les portes qu'on pouvait pas péter avant. Non, ça c'est chez. Ah non, c'est le fan club. Salut Naz. Oh, t'as ce budget là. Vous pouvez signer mon visage. Cool. C'était cool. T'es belge. J'ai écouté votre truc, je veux dire que... Pourquoi ça m'a pris autant de temps pour vous découvrir? Oh, j'ai si honte. Mais vaut tard que jamais. Ouais, ouais. Exactement. Exactement. Beefcliff nous a lâchés. Notre équipe a significativement perdu en taille. On a perdu notre membre le plus balèze. J'avais le sentiment que ça allait arriver, il se comportait de manière bizarre récemment. Il était pas autant impliqué dans le groupe qu'auparavant, ce genre de choses. Bon, on s'en fout, hein, vous savez, je vais pas lui en vouloir. J'espère qu'il a trouvé ce qu'il cherche. Ah, ok. Parce que moi j'ai souvenir à Bobstead de portes qu'on ne pouvait pas défoncer. Et j'ai souvenir d'un message qui disait hey, vous pouvez maintenant défoncer des portes que vous pouviez pas avant. Donc on va aller faire ça. Puis ensuite on retournera On s'arrêtera là. Et moi j'ai à chercher sur internet où est ce putain de ressort. C'est quoi ces conneries? Je croyais que t'es devenu plus fort. Pas assez fort apparemment. Putain. Terrible. On a des codes à essayer au sol aussi. Ah oui, il y avait ça. On m'avait signalé, faut que je tourne en ville, que dans le sous-sol des basses, j'avais loupé un ticket.
Non, pas par là. Hein. C'est dans cette pièce. Wow, tout à droite. Là. Nickel. Ok, donc on retourne à la surface. Lentement. Et on ne se coince pas sur les tentes. C'est vrai que j'ai masse de pognon. 16 000 balles. Ah, effectivement, il indique la quantité de glam que ça inflige. Ah oui, ça. On tire tous les effets négatifs de la barre du joueur. J'achète. Il m'a coûté la moitié de mon pognon. Marché d'ici, pas une chance sur 3 d'être gratuite. Ah, pas mal. Bon, faut que j'achète tout. Plus 30% de vitesse, moins 5% de tous les stats. Non, merci. Plus 20% de hype. Et une chance de récupérer de la hype quand il frappe des ennemis. Ah. Bon, bah, ça y est, j'ai acheté ce. Je peux l'étage, toujours pas. Non. Bon, toujours pas arrêté là-haut, hein. La dernière porte qu'on voulait défoncer. Alors, j'ai sûrement qu'on va pas être assez fort non plus. Mais bon, on va essayer. C'était à Bois du Thon. Dans la zone hantée. Non, ça c'était déjà. Déjà exploré. Alors, la route, c'était en bas à gauche, en bas à droite, j'ai papier sous les yeux, en bas à droite, en bas à gauche, en bas à gauche. Oh, ça passe! Vous savez quoi d'autre passe? Un avion. Je sais pas si vous l'avez entendu. Attends, c'est numéro combien? Numéro 1. Qu'est-ce que... Quel retournement de situation. Alors, ça fait quoi? Jim? What the f... Hein? Salut, Jim. Je suis impressionné. Vous trois, vous devez avoir une sacrée expérience de bottage de porte, hein.
Vous êtes pas loin d'avoir botté toutes les portes de la région. J'aurais jamais pensé rencontrer une telle compétition. Je suis le roi du bottage. Je suis sûr que vous avez entendu parler de moi. Non. Non, moi non plus. Qui? Je vois un potentiel qui brûle au sein de vous. En votre sein. Vous trois, vous pourriez être les successeurs dont je rêvais. On était obligés de nous assommer comme ça? Pour vraiment comprendre la technique, il faut en avoir reçu les effets. Si vous voulez vous améliorer, vous êtes venu au bon endroit. Prenez ça. Votre botte intérieure vous donne la puissance de botter même les portes les plus tenaces. Avec ces enseignements, aucune porte ne sera assez sécurisée, assez solide. Ah, merci. Je ne peux m'empêcher de me demander combien de portes on a botté jusqu'ici. Laisse-moi regarder ton pied. Hein? Si tu veux que je sache jusqu'où où est-ce que vous en êtes en termes de bottage, il faut que je voie votre pied. Montre-moi. Merci. oui. Ce pied raconte une histoire. C'est un pied qui a botté 69 portes. Nice. Vous progressez bien, mais vous avez encore beaucoup à accomplir. Revenez ici quand vous aurez fait plus de quand vous aurez plus bossé. J'aurai quelque chose à vous montrer. Ok. Cool. Super cool. On pourra retourner à Bobstead. T'as ça? Oui, la sèche. Ah ah, trop tard, j'ai appuyé sur le bouton. Initiative, bébé. Vous êtes complètement taré. Et vous adorez ça. Ouh. Ah, ça s'arrête quand on change de zone. Je m'en doutais, mais quel dommage. Alors, premièrement, sous-sol. On a un premier prix à récupérer. Alors, notre code. Perdant, encore 4 codes. Gagnant. Pire chance, la prochaine fois. Veuillez choisir votre prix au kiosque Bobstead. Niquez-vous, les gens du Discord. J'appelle ça un kiosque si je veux. Personne ne saura de quoi je parle. Gagnant. C'est votre prix. Vous êtes un gagnant, majeure partie. Mais pour cette fois, vous êtes un perdant. Aucune visite triomphante au kiosque. Vous êtes le grand gagnant ultime. Wow. Bah oui, on va récupérer le ticket numéro 1. Ça va. Ouais, allez au kiosque et on vous enverra un prix. Vous avez sélectionné le gazebo de le kiosque de Ho-Ho. Je vais choisir votre prix au kiosque de Ho-Ho. Ah, dans mon excitation, je suis trompé, j'ai envie au kiosque de Ho-Ho. Oh, purée. Mais c'est pas grave, on y retourne de toute façon. Connasse. Direct. Non, ça c'est la note de la merde de machine. Bidule. Et je savais que vous prendrez pas longtemps avant de venir nous voir. Ça me dit quelque chose à attendre. D'accord.
Oui, il a vraiment dit blabler, c'est la traduction officielle. Oh ! Putain, je pensais vraiment qu'on arriverait à la beauté après avoir obtenu ce bouquin. Tu veux dire, faudrait peut-être qu'on le lise d'abord ? Ah ouais, t'as raison. Allons lire tout le truc là maintenant. Allez hop, club de lecture Death Bulge, en session. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé du bouquin ? Eh ben, évidemment, dans la grande majorité, c'était que des conneries, mais il y avait quelques bonnes idées, ça et là. Oui ! Il n'avait pas l'articulation succincte que Babi aurait offert. Mais il a mis en lumière quelques perspectives alternatives. J'ai bien aimé les diagrammes. Oui ! Un toast pour les images. Qui peut apprendre quoi que ce soit sans exemple visuel ? Pas moi. Les mots, illuminés, du livre et ses diagrammes ont éveillé quelque chose en vous. On a l'impression que toutes les portes s'ouvrent à nous. La maison de Babi. C'est ici que les têtes sont submergées pour les initiations. Hein ? Porte en métal. Le plus nouveau membre. Pardon. Il semblerait que même la plus solide des portes ne peut pas retenir... retenir le magnétisme des enseignements de Babi. Comme vous pouvez le voir, vous n'êtes pas les premiers. D'autres membres ont embrassé Babi bien plus vite. Mais ne vous inquiétez pas, car le seigneur Babi Bass accueille même les retardataires. Je suis le meilleur adepte. Remarquez ma proximité supérieure aux prêcheurs comparé aux autres. Premier bouton, est-ce que tu peux passer une seule journée sans être un trou du cul en merdeur ? Hein ? C'est quoi ? Qu'est-ce que tu peux dire ? Désolé, mais mon édition ne va pas au-delà du coussin numéro 2. En Martia, il m'est privilège du coussin parce que j'ai mal prononcé basse. Mon cul sent la punition, ça c'est sûr. Si vous m'appuyez, est-ce que vous allez m'allumer ou m'éteindre ? Ah, c'est une blague de bouton. Absolument intraduisible. Enfin, peut-être que ça vous échappe. Oui, parce que je l'ai lu en français. Je me fous bien de la gueule de Skult. Je suis tombé à court de fringues et j'ai la flemme de les laver. Alors évidemment, quand j'ai appris que ce culte offrait des robes gratuites, et bah, j'ai rejoint. Mais bon, s'il fallait vraiment que je vénère un poisson, je ne pourrais pas trouver plus approprié. Enfin, non pas que je vais le faire, hein, je dis juste. Ok, donc c'est juste un easter egg, d'accord. C'est cool. Allez là. Retourne donc à Hoho pour trouver un kiosque et récupérer notre grand prix. Bon, déjà toi. Et vous êtes là pour récupérer un autre paquet. Voilà. Il y a une note attachée. Vous avez trouvé un autre ticket gagnant. Bon, peu importe. J'ai mis un peu de monnaie de ma poche, encore une fois. S'il vous plaît, arrêtez de te récupérer des cols. D'ailleurs, cette fois, j'ai envoyé encore plus d'argent pour vous encourager à arrêter. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Si tu mets encore plus d'argent, ça m'encourage à continuer. Un autre paquet. Eh bien, vous êtes populaire. Voilà. Détaché. Comment vous arrivez à continuer à trouver des tickets gagnants ? Arrêtez de récupérer des tickets. L'argent que j'ai envoyé la dernière fois, c'était pas assez. C'est ça, hein ? C'était pas assez. Mais écoutez, j'en enverrai encore plus cette fois. Alors je vous le demande, arrêtez de demander. Oh.
mal au crâne. Ok, on retourne à Hoho. On récupère notre grand prix. Papin. J'espère que le grand prix est un putain de ressort. On récupère notre grand prix et on s'arrêtera là. Bonjour. Ouais, on a envie ici pour le récupérer là. Ah oui. Non. Faye. Cool. Voilà, prêt. Venez-vous. Il y a une note sur le paquet. Ah, juste alors que je pensais que c'était la dernière fois que je parlais de vous. Vous trouvez le ticket du prix ultime. Ah, seigneur, donnez-moi la force. Bien, je suis désolé, mais le grand prix Boule Plasma a déjà été donné lors d'une enchère il y a une décennie, vu que personne ne venait le réclamer. Ça veut pas dire que je vais vous donner un gros tas de pognon encore une fois, donc vous pouvez tout de suite vous sortir ça de la tête. J'ai encore ma possession, une pièce d'équipement musical très spéciale que Glamourella utilisait régulièrement dans sa jeunesse. Oh ! J'ai le sentiment que c'est un substitut acceptable. Si vous n'êtes pas d'accord, eh ben tant pis ! Considérez-vous heureux que je vous envoie quelque chose. Alors, dégâts mélodiques lourds à tous les adversaires, 3 mesures de dollars à la barre ennemie. Attention, cette attaque a une chance sur deux d'être super stylée. Oh wow. Ah, ça valait tellement le coup. Pour toi, ouais. Briefez-moi, qu'est-ce qu'on va faire de ça? J'en sais rien, mais je l'équipe. À la place du Face Melter. C'est au-dessus, c'est ça? La hache d'annihilation. Ah! C'est un mode ultime qui ne peut être équipé que en mode de classe. Et bah, c'était précisément mon intention. Ça bouffe 66% de ma hype. 20 de glam, par contre, évidemment. Et ouais! Ouais. Des attaques de fake qui ont plus de glam, hein. Si je regarde Yann, il a rien au-dessus de 6. Brief, il a un truc à 10. Avec du 20 et du 15, quoi. Ok. Bon. Pas compris, on va s'arrêter là. Je peux sauvegarder quelque part? Oui, à la clinique. Et bien heureusement qu'on l'envoie pas à la poste notre truc, hein. Putain, il nous l'aurait échoué. Ceci, oui, sauvegarde auto. Bon, on va sauvegarder manuellement quand même. Ça va? Box vient juste de retenir aussi. Ça va, vous? Ah oui, putain, Box! Il s'est mis torse poil. Elle est vraiment torse poil là? J'espère que tout va bien. C'est une autre histoire, je te raconterai plus tard. Et toi, ça va? Ça ira. Je suis pas prête à retourner à l'action, mais je pense que le pire est passé. Moi, je peux encore sauvegarder si vous voulez. Non, d'abord on va parler à Box. Hey, comment ça va? Wow, Box! T'es une démone! Stylé! Vous n'étiez pas au courant? J'essaie pas de le cacher particulièrement. Non, mais on a vu qu'il y avait des cornes sous tes bandages. Après tout ce temps, t'es une démone! Mais ça change tout! Ah bon? J'imagine que non. Faut y restocker, voyons voir. Eh oui, on est full stock. Attends donc. Box est censé être un mec?
Non, parce qu'il est torse poil, mais... Bah, c'est une démon, elle est pas foutue comme nous. Sauvegarde. Ah, box. Ah quoi, qu'est-ce... est-ce que Box a vraiment fait un décor en carton qui me ressemble? Ah ouais. Ah, Box. D'accord, c'est ça qu'elle dit. Je re-sauvegarde. Je vous dis, au revoir à tous, et à la prochaine!